Alors, la première des choses qu'il faut faire devant une maladie asthmatique, c'est voir de quel type d'asthme il s'agit. Donc, la patiente, Dounia, est actuellement en train de faire une exploration fonctionnelle respiratoire, savoir comment l'air circule dans ses poumons et quelle est la gravité de sa maladie. Et par la suite, nous allons lui conseiller de suivre les séances d'éducation thérapeutique qui lui permettent de comprendre sa maladie et de comprendre ses traitements. C'est absolument déterminant dans ces maladies qui sont des maladies d'environnement. L'objectif des fouilles qui ont été ouvertes ici, c'est de préciser l'architecture du monument, voir de quelle manière on peut avoir des niveaux archéologiques conservés, notamment des dépôts funéraires, parce qu'on est sur une tombe collective qui a été sans doute utilisée pendant plusieurs générations. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ces monuments, et notamment par exemple sur sa datation. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune datation pour la construction de ces monuments. Donc on sait qu'ils sont néolithiques, mais les néolithiques ils durent presque 3 millénaires. Donc maintenant, il faut savoir dans ces 3 millénaires à quel endroit on se situe.